le mot raisin à l'épreuve du feu. Pour les Gaulois, le mot et signifiait feu. On l'entend encore aujourd'hui dans passablement de mots, comme par exemple le mot éteint, formé de et, feu, et de un, le privatif, donc pas en feu. Et les Gaulois avaient pour habitude, dans la modification des mots, d'utiliser re, afin d'exprimer le retour ou le repos, voire le redoublement. Ils ont ainsi fait re-et, ou ret, ou ret, un mot très particulier à bien des égards. Le feu, symbolisant la raison ou la justice, certainement à cause de la forme verticale qu'il prenait, cela a donné par la suite rectitude, rectum en latin, ou direction, règle, ou aussi right, right en anglais, derecho en espagnol, etc. Et donc ce ret peut symboliser le repos, re, du feu, et. D'ailleurs on dit en anglais to rest, pour se reposer. Et ainsi, ret, c'est le feu rassis, c'est la raison calme. En y ajoutant le privatif un, on en a fait rétin ou récin ou raisin, puisque te, se, ze peuvent changer dans leur prononciation au fil du temps. Il n'y a qu'à observer les Anglais avec leur th. Donc, le raisin est le fruit dont le jus va ôter un, la raison, ret, raisin.